Fait que t'es allé aux pommes. Puis là, tu t'es dit, tant qu'à faire 2 heures de char pour aller aux pommes, t'en ramasseras pas pendant 5 minutes. Fait que tu te ramasses que t'as 20 livres de pommes à passer. Ben, je vais te montrer ce qu'on peut faire avec des pommes. Puis honnêtement, les recettes que les choses que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est bon pour les pommes, c'est bon pour n'importe quel restant de fruits que t'as, puis que tu veux pas nécessairement acheter au bilan. Parce que Dieu sait que des fruits, tu vas en acheter pour les collations de tes enfants, puis ils mangeront pas toutes. Fait que si tu veux les en conserver puis les repasser, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des bases pour les repasser. Okay? On va faire un crumble, on va faire des chaussons. C'est toutes des affaires bien simples. Faut juste savoir comment faire. Puis je vais te montrer ça aujourd'hui. Puis en plus, ben, tu peux demander à tes enfants de t'aider. Ça leur fait une petite activité, là, eux autres, ils se trouvent. Fait que si t'as des enfants, ben là, à contribution, parce que des pommes, t'en auras un livre épluché. Fait que là, j'ai-tu besoin vraiment de t'expliquer que c'est là que tu prends ton petit couteau. Puis là, ben, t'as plus jeté les pommes tranquillement. Essaye de pas trop en gaspiller. Puis à quelque part, t'en as tellement à passer que quand même t'en gaspillerais, c'est pas super grave. Puis, ben, ce qui est merveilleux un peu là-dedans, c'est que tu veux dire, t'as pas vraiment besoin de laver toutes les pommes, parce que de toute façon, t'es épluche. Fait que toutes les saletés qui sont dessus, ben, tu les jettes de toute façon. Les plures, on s'en servira pas. Quoi qu'on peut s'en servir. Moi, je peux les manger si tu veux. Fait qu'un coup, t'as touché ta pomme, tu prends ton couteau, tu coupes des morceaux. Bon, la grosseur, ça n'a pas d'importance, ça va tout tenir comme en voit. C'est sûr qu'il y a des sortes de pommes qui font mieux que d'autres, parce qu'il y en a qui vont virer plus compactes, il y en a qui vont rester quand même un petit peu plus dures, qui vont faire des motons, dans le fond. Hein. Des fois, c'est ce qu'on cherche un peu dans une recette. Ça, par cœur, je ne les connais pas, fait que faites comme je vais faire. Tu cherches sur Internet, mais là, dans le fond, quand tu es allé chercher les pommes, tu as pris ce qu'il y avait. Fait que tu y fais avec ce que tu as, puis on va y aller avec ça. Ça se peut qu'à un moment donné dans ta vie, tu as vu une machine dans ce genre-là. Tu t'es dit, hey, j'en veux une, ça a l'air vraiment le fun, ça va super. Tu sais, ça a l'air à super bien aller. Mais, sérieux, là. Une star frite, là, pas trop chère, là, qui va juste t'épeler, là. C'est bien mieux que cette affaire-là. Ça envole plus. Alors là, le jus, il envole partout. Mais c'est sûr qu'au final, ben ma pomme, c'est un gros tourbouchon. Fait que tu coupes le bout là, t'enlèves le bout de plure là, t'enlèves le bout de plure là. Tu passes un coup de couteau de même. Ça, si tu fais quelque chose, tu vois les pommes, c'est mieux de faire ça de même. Fait que moi, je te conseille pas un truc comme ça, OK? Honnêtement, ça jump beaucoup pour rien. C'est sûr que c'est pratique dans un certain sens, mais... ben trop de niaisage, achète tout de quoi en plastoc, qui est un éplucheux de patates pis de pommes, pis ça va être bien correct, ça va être bien en masse, c'est un cloqueur à enlever, là. Juste pour qu'il évite de trop brunir. Jus de citron. C'est un vrai truc. C'est pas une crème de grand-mère. Là, c'est une belle occasion là, de pratiquer à bien éplucher là, comme Hello. C'est mal. Bute-toi ton couteau. C'est le temps de faire connaissance. Là, là t'as un gros plat. Fait une demi-heure, tu fais des pommes. Tu t'épluches des pommes, t'es écœuré. T'en as un gros plat, tu trouves du monde à qui t'en donner. T'en as envoyé un sac complet à mettre de tes enfants. On s'en débarrasse. Fait que t'as un beau plat d'épluché, tout ça. T'en as envoyé ça au compost. Puis après ça, on va trimer notre plat ici. On va se faire une garniture aux pommes. C'est une recette qui va être simple. Là. On va vous donner les ingrédients. Tu gages ça comme tu veux. Okay? Puis c'est bon pour tout. Je veux dire, si tu fais là, si on fait des pommes. Si tu fais des framboises, si tu fais des fraises, tu peux faire à peu près la même chose. Parce que c'est toujours la même technique. Là, quand tu fais une garniture, là, ça te prend ton stock de fruits, là. Quoi? Je t'aide. OK. Si tu veux faire ta garniture, ça te prend tes fruits. Là, on a les pommes. On a les pommes. Ça te prend du sucre. La base, c'est ça. Mais ce que là, tu vas rajouter... Un petit peu de. Toujours, on rajoute toujours un petit peu de citron, avoir un petit peu augmenter l'acidité. Là, on en a déjà mis sur les pommes, fait qu'on n'en rajoutera pas.
de la fécule de maïs. Parce que tu veux pas. C'est pour que ça se tienne un peu plus. Dans le fond, c'est qu'au lieu d'avoir, dans le fond, du jus, de l'eau, ben, on va avoir quelque chose qui va ressembler plus d'un sirop. C'est sûr que le sucre, déjà là, va aider à faire un sirop, là, mais on va aller chercher quelque chose de plus, un petit peu plus consistant et pas trop, pas du jus qui coule en rajoutant un petit peu de fécule. Après ça, dans ce coin-ci, on a tu sais, tu peux te rajouter des petites épices, ça, tu y vas au goût, OK? De la vanille pour les pommes avec de la cannelle, du quatre épices. Du quatre épices, c'est très intéressant. C'est un peu moins plat que juste de la cannelle. Moi, tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec de la cannelle et un petit peu de quatre épices, ça kick un peu plus. On va passer au chaudron. On commence avec un mouton de beurre. Ça va faire un petit fond gras pour éviter que tout colle. Donc, mon beurre est bien fondu. J'en ai eu un peu partout. Oh, il va être les fruits. Là, je suis à feu 7 sur 10. Un feu de cuisson, je dirais standard. On ne veut pas trop fort, mais on veut que ça cuit. On ne veut pas perdre une heure là-dessus. Ensuite, on va y aller avec le sucre. Honnêtement, moi, ça, y aller à l'œil, là, y aller. Selon votre appréciation du sucre et à quel point vous voulez que ça soit sucré. Moi, je vous dirais, si vous me demandez une quantité, je vous dirais à peu près une cuillère à soupe pour une tasse de fruits. Mais là, on s'entend, là, une cuillère à soupe pour une tasse de fruits, ça va vous donner quelque chose d'assez sucré. Ça dépend toujours avec quoi vous travaillez, là. Je veux que ça soit sucré, mais je veux pas que ça soit trop sucré. Pour la fécule, on n'exagère pas. Un petit peu, juste un. Putain, on en saupoudre comme ça. S'il y a déjà beaucoup de liquide, là, c'est préférable de le diluer dans l'eau ou tu ramasses un petit peu de jus dans le fond de ton chose, tu dilues ta fécule avant. Pour ce qui est des épices, là, faut pas gêner, mais il faut pas trop y aller fort non plus parce que l'erreur que beaucoup de monde font quand ils aiment la cannelle, c'est d'en mettre beaucoup trop. Hein? On sait pas des petits cœurs rouges qu'on fait, c'est une garniture. On veut que ça goûte, mais on veut pas que ça soit abusé. Faut pas avoir peur d'en mettre du goût. Quand on n'est pas sûr, ben mettez-en pas trop. Commence par en mettre un peu. Puis avec le temps, on pogne le tour d'en mettre. Vous allez plus savoir comment gager ça dans vos prochaines recettes. Bon, fait que là, on voit là, que j'ai une bonne consistance, là. Regardez le jus là, dans le fond, là. Il n'est pas trop liquide. J'ai pas de l'eau. Hein? Tant que c'est pas en eau dans le fond, là, ça va bien aller. Ça ferait que tout ce que tu vas faire ne sera pas détrempé. Fait que là, vu que justement, c'est pas des fraises. Si on avait des fraises, des framboises, on serait déjà sur une belle purée. Là. Ça serait tout une belle purée. Et mais là, vu que c'est des pommes, c'est plus dur un peu. Puis justement, vu qu'on va les refaire cuire, ça va repasser dans le four, soit en croustade, soit en tarte, soit en chausson, ben on va les garder un petit crunch. Tu veux qu'ils soient tendres, mais pas purée. Dans le fond, il faut que ça soit mou, mais que ça te prenne tes dents pour les manger. Là, regarde, on voit, là, je pèse sur des choses, regarde, en fait, sont molles, regarde, ils plient, ils ne cassent pas. Attention, c'est très chaud. Fait que là, notre garniture est finie. Si t'es chanceux, puis qu'il fait genre en bas de 10 dehors, ou que, ben, en bas de 10, quand même qu'il ferait moins 30, c'est pas grave. Tu prends ça, tu mets ça dehors, tu fais refroidir. Là, il fait quand même beau. Aujourd'hui, j'ai pogné une journée ce qui fait quand même beau. Il fait beau. Fait que je vais le laisser là pour tiédir, parce qu'on travaillait avec quelque chose qui est brûlant, c'est pas trop plaisant. Là, on va commencer, on va aller faire le crumble. Fait que là, on va passer au crumble. Dans le fond, c'est toute la garniture qui va sur la croustade. La recette que j'ai, easy, parce que c'est toute la même quantité. Du beurre, coupe-le en petits morceaux, en carré, s'il est frais, parce que tu le veux, température pièce, il est pas trop mou quand même. Là. Donc, si tu le coupes en petits cubes, là, il se tempère très bien, puis après ça, c'est plus facile pour travailler pour le sabler. Après ça, il faudra de la farine, du gruau, du sucre, that's it. Toute la même quantité, on met toute la même quantité de tout. Ça va donner, je vais vous montrer comment le faire. Il faut le sabler, dans le fond. Tu peux tout mélanger.
Tu mélanges ton beurre, faut que tu le défasses le plus possible. Après, tu vas le prendre, tu le sens dans ta main, ça fait un morceau, mais il se redéfait tout. Tu sais, ça va rester sec. C'était vraiment ça prend un très bon nom. Sablé. Ben, c'est sablé. Comme grand-père qui sable ses bouts de bois. Ouais, mais là, c'est pas sablé avec un papier sablé, là. C'est pas pareil. Sablé, c'est ça. Pas pareil. Fait que là, j'écrase mes moutons de beurre, comme ça. Là, dans le fond, là, on fait ça jusqu'à temps qu'on ne voit plus vraiment de mouton. Si t'en as trop fait, c'est pas grave. Tu peux prendre ça, comme il va être, là, à la fin, là, ça se congèle, ça se réutilise plus tard. Parce que de toute façon, ce qu'on va faire, moi, je vais en faire plusieurs, des croustades, puis la majorité, je vais les congeler pour les recuire plus tard. Donc, juste le crumble comme ça, c'est quelque chose qui se congèle. Là, on voit que je commence justement un peu, là, à trouver ma consistance. Donc, là, je fais une belle motte. Puis, regarde, là, ça se défait tout. Ça se tient pas vraiment. C'est ça que je veux. Puis, je veux qu'il y en ait un petit peu des moutons. Parce que, tu sais, ça fait des petits moutons croustillants là, qu'il va avoir sur le dessus. Sinon, ça, on veut pas que ça soit trop sec, comme crumble. Fait que, on va passer à l'étape suivante. C'est pas l'étape suivante? Ben, de monter. On va les faire, là. Oh oui, mon étape préférée! Fait que pour le montage, je vais utiliser des petites barquettes en aluminium comme ça. Ça se trouve au Dollarama. Ça, c'est ce que je vais faire congeler. Tu peux en prendre des plus grandes aussi. Là. Après ça, je vais me faire un gros plat à lasagne de croustade. On a aussi, bien sûr, mon crumble, j'ai mes pommes et j'ai celle-là qui va tout remplir. Juste. Fait que les pommes, tu divises ça comme tu veux, tu divises ça comme tu sens, tu divises ça sur la quantité que t'as. Après ça, on envoie le crumble par-dessus. Avec la main, tu sais, là. Puis on fait, faut pas gêner, faut faire une bonne couche. On veut une belle croûte. Ben oui, t'es là pour ça. C'est un crumble de même, là. Tu prends des fraises, tu prends des framboises, tu prends des pêches, n'importe quel fruit. Des pêches! Ben oui. Un crumble ou pêche. Ouais, tu peux faire un crumble avec le fruit que tu veux. J'ai chauffé le four à 400. Là, c'est pour aujourd'hui. Moi, je fais cuire une grosse croustade. Je vais faire cuire une petite. Puis j'en ai deux autres petites que je vais faire congeler. Bien, l'important, c'est de marquer la date. Parce que même l'année, OK? Parce que des fois, tu sais pas quand est-ce que tu vas retomber là-dessus. Puis tu te demandes, c'est encore bon, ça? Marque ta date comme il faut. Puis marque ce qu'il y a dedans. Oui, mais là, Vague, je le mets combien de temps? Je le mets-tu en haut, mais en bas? Ben, c'est pas compliqué. Tu le mets jusqu'à temps que ça soit cuit. Fait que, check. Moi, je te dirais, on commence par un bon 10 minutes. Après ça, on va voir ce que ça donne, de quoi ça a de l'air. Puis on va se gauger avec ça. En haut, en bas, dans le milieu, je te conseille le plus en haut possible pour éviter que ça crame le par en dessous. Mais réellement, là, cette question-là, c'est juste l'espace que tu as pour le mettre. T'sais, je veux dire, tu peux fouler ton four de crumble, là, c'est pas grave. OK, c'est juste qu'il faut que tu te dises que ta chaleur arrive d'en bas et qu'elle va être plus directe sur celui-là qui est le plus bas. Donc, en le mettant plus haut, ben tu y chauffes moins le barrier. Là, vous le voyez pas, là, mais je veux dire, en chaque étape, c'est important de bien prendre le temps de se ramasser. Parce que c'est pas long que tu t'embourbes, que t'en as partout, tu sais plus quoi faire avec, c'est décourageant. Fait que direct, quand tu fais une étape, moi je vous conseille, à la fin de chaque étape, de ce que vous faites, quand vous faites avec cuisiner, quand vous faites de la bouffe, tu te fais un petit coup de plomb. Fait que là, t'en nettoies 2-3 affaires, t'en nettoies 2-3, un petit peu tout le temps. De toute façon, là, il faut attendre sa cuisse, il n'y a pas de presse. On a le temps d'en ramasser. Fait que, on nettoie, on met ça à ce fait-là, that's it. Bon, donc moi ça m'a pris 15 minutes de cuisson puis un petit coup de broil pour l'achever. Fait que c'est mes croustades, ça sent très bon. Fait que ça c'est terminé. Là j'en fais des chaussons ça se fait avec de la pâte feuilletée. Ça aussi, je veux dire, si t'écoutes ça, là, t'as pas le niveau de faire de la pâte feuilletée, je te le dis. Mais si vous voulez que je vous le montre, comment faire de la pâte feuilletée, moi, vous le montrer. Ça me fera faire plaisir de vous le montrer. C'est de l'ouvrage en tabarnak, par exemple. C'est une journée d'ouvrage. Parce qu'il y a beaucoup de pauses, bref.
Fait que là, ça c'est de la pâte achetée, ok? C'est dans le coin des congelés. Si on ok, de la pâte feuilletée, ce n'est pas de la pâte philo. C'est pas le même résultat du tout, du tout, du tout. Là, j'ai un carré gros comme ça, là. C'est pas assez grand. Trop épais. Fait qu'on va l'étendre. Puis quand on travaille avec de la pâte feuilletée, notre meilleur ami, c'est de la farine. Parce qu'on veut qu'elle... Faut pas trop en mettre, parce qu'on veut pas que la pâte se promène, mais on veut pas qu'elle colle sur le plan de travail. Fait qu'on en mettre. Rouleau à pâte. Essaye de prendre le plus simple possible, honnêtement. Fariner. C'est une action qu'on appelle fleurir réellement. Pour une fois que tu cuisines, à chaud le repas, tu mets de la farine. On te le dit. Amonce-la. Amonce-toi. Hein? Quand on roule à peu près du quart jusqu'au bout. Mais on pince pas. Pincer le bout, là, c'est quand tu arrives au bout, là, comme ici. Là. On les fait du carré, on les fait du rond, on les fait du en triangle. Dans mon livre à moi, c'est des triangles. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais me couper des carrés, mettre la garniture, on replie, on colle. Mais là, j'ai oublié d'acheter des œufs. Bon, j'ai ma chérie de chercher des œufs. Bon, finalement, je me suis dit, pourquoi faire simple quand on peut faire encore plus simple? Que au lieu de faire plusieurs chaussons, j'allais en faire un gros. Je vais mettre ma garniture. Là, j'ai le pinceau, c'est pour la dorure, qui est essentiellement qu'un jaune d'œuf. Si vous n'avez pas de pinceau, ça se fait au doigt, il n'y a pas de problème. Fait que, on va mettre la garniture. Je mets la garniture, on referme ça, puis on finit le chausson. Question de ne pas avoir à le déplacer. Un coup que mon chausson va être terminé, surtout que là, il va être gros, il va être difficile à déplacer, je le fais directement dans ma plaque. Donc, j'ai ma plaque à cuisson. J'ai du papier parchemin, papier sulfurisé, à ne pas confondre avec du papier ciré. C'est pas du tout la même chose. Papier ciré va cramer au four. Papier parchemin, papier sulfu, c'est fait vraiment pour aller au four, pour la cuisson. On n'utilise pas de papier d'aluminium. C'est de la crotte, le papier d'aluminium. OK? OK. Fait que là, ma garniture, j'ai mis de la dorure tout le tour sur la moitié. C'est pour coller. Donc, c'est du jaune d'œuf, tout simplement. Fait qu'on vient refermer tout ça. Tu y vas comme tu veux. Tu sais, je veux dire, c'est à toi, là. Si tu veux faire être fancy, vas-y fancy. Si tu veux y aller de base, vas-y de base. Après ça, là, on badigeonne le dessus avec le jaune d'œuf. Là, ici, j'ai du sucre brut. Je veux pas du sucre blanc à mettre là-dessus. Là, je veux des cristaux. Là, t'en as pas. N'achète-en pas. T'es pas obligé d'en mettre. C'est le couteau. Puis, on va venir faire des petites incisions. Dans le fond, oui, nos pommes sont déjà cuites, mais ça va cuire, ça va faire de la vapeur. Puis, on veut qu'elle sorte. J'enfourne à 400. Encore là, combien de temps? Le temps que ça prend. À vue de nez, ça, je dirais au moins 15 minutes. Hey, pendant que je passe, un rouleau à pâte, là. On ne crisse jamais ça dans l'eau. Tu vas le scraper. Pour le nettoyer, un linge humide. Un linge propre, humide. Et voilà le résultat final de mon chausson. On a une belle croûte. Côté. Donc, c'est très croustillant. Ça va être délicieux. Oh, fait que ça met fin à cette vidéo spéciale pomme. Donc, le prochain vidéo, ça se peut que j'introduise ce vidéo-là en deux vidéos parce que vu que c'est le temps des pommes maintenant, que ça ne dure pas 4 ans, ben, ça ne dure pas plusieurs semaines, ça serait intéressant que vous l'ayez le plus rapidement possible. Puis, je vais aussi faire la prochaine vidéo la semaine prochaine que je vais préparer la semaine prochaine, ça va être potage de courge. Parce que quand tu vas aux pommes, souvent tu finis aux courges. Puis tu te promènes, tu te ramasses une barouette de courge en disant « Hey, c'est pas cher, on va en profiter. » Finalement, ben, tu arrives chez vous et tu n'as aucune idée de quoi faire avec. On va se faire un potage de courge. C'est super de base. Ça va nous servir de recette justement de base pour tous les potages. Si tu as apprécié la vidéo, like la vidéo s'il te plaît. Si tu veux pas manquer les prochaines, bien sûr, il faut que tu t'abonnes et que tu mettes la cloche. Et si tu as des questions, je ne dois pas, demande-nous ce que tu veux, que ça ait rapport avec le sujet présent, le sujet de v'là deux vidéos ou n'importe quoi, tant que ça a un lien avec le fait de t'apprendre à cuisiner,
Gêne-toi pas de me le marquer dans les commentaires. Fait que là, je vous laisse là-dessus, puis bon temps des pommes, bon automne, puis bonne bouffe.